les deux épis. Deux épis se montraient naguère. Le bras de l'autre changeait. L'un se tenait droit comme un i. Sa charge étant si légère. L'autre paraissait accablé quand il portait de grains de blé. Heureux les pauvres que nous sommes, les trésors du monde sont lourds, et trop de biens pèsent toujours sur les épis et sur les hommes. On pourrait tirer de ceci une autre leçon que voici, et qui me paraît moins vulgaire. L'épi qui penche est le meilleur, il a son poids et sa valeur, tandis que l'autre n'en a guère. Je crois qu'ici-bas, plus on vaut, plus on est modeste et timide, et que pour porter le front haut, il ne faut qu'une tête vide.